à tous, c'est Morgane, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la vidéo va porter sur mes achats que j'ai effectués à la 48 heures BD, 8 avril. Hein. Donc en premier, je vais commencer par les BD. Hein. Tout d'abord, il y a la BD Les Survivants. La 48 heures BD parce que ça permet de découvrir surtout des mangas et même des BD. Hein. Donc là, quand on feuillette un peu, on voit... Donc voilà, ça permet de découvrir, donc je pourrais le lire et le découvrir. Donc ensuite, on va passer à une autre BD que j'ai achetée. Il s'agit de la BD 14-18, donc Le Petit Soldat, août 1914. Donc quand on feuillette un peu... Voilà, donc moi j'aime bien pouvoir découvrir. Et on passe maintenant à la dernière BD que j'ai achetée. Il s'agit de La Quête des Willans. Donc maintenant, je vais passer à la suite de ce que j'ai acheté. Tout d'abord, un comics. Donc c'est Justice League, aux origines. Moi, j'aime bien tout ce qui est comics quand même. Et la 48 BD, ça permet de les faire découvrir. Et je trouve franchement que c'est super bien. Donc on voit... Les graphismes, ils sont quand même bien réalisés. Moi, j'aime bien. Même si j'ai une préférence pour les Marvel, ça m'empêche pas... De découvrir pour les lire. Donc voilà. Et puis enfin, j'ai acheté les deux mangas qui étaient présents lors de cette édition. Donc en premier, c'est Levius. C'est de la boxe mécanique. Donc là, on voit un peu les graphismes. Mais c'est vraiment toujours intéressant pour... découvrir, et surtout pour 1 €. Et enfin Black Clover. Donc on peut voir les graphismes. J'en avais entendu parler de ce manga, donc c'est parfait pour le découvrir. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que c'est la 48 heures BD pour ceux qui ne le savent pas. Donc la 48 heures BD, c'est en fait depuis 2013, les 48 heures BD vous font découvrir toute la richesse de la bande dessinée avec une sélection d'albums en tout genre pour tous les goûts. Par ailleurs, en achetant cet ouvrage, vous contribuez au don de 50 000 bandes dessinées aux écoles, collèges et hôpitaux dans toute la France et en Belgique. Donc je trouve que franchement c'est une opération qui est vraiment... je trouve que c'est vraiment bien. Et puis pour 1 €, franchement c'est vraiment pas cher du tout. Donc en fait pour moi j'en ai eu un total avec tout ce que j'ai acheté pour 5,70 €. Et en plus j'ai eu 5% de remise sur les livres. Donc ça m'a enlevé à chaque fois 5 centimes. Bon après ça c'est pas très important mais... Ce que je veux dire qu'au final, ça revient pas cher. Hein. Là, c'est pas cher du tout. Cela fait maintenant la 3e année que je participe à l'opération des 48 heures BD. Mais ils ont fait un changement cette année. Donc, par exemple, on peut le voir. Je vais prendre sur les comics que j'ai. Là, il y en a un qu'on voit. Puis après, il y a également celui-là. Et cette année c'est donc c'est celui-là. Ils ont mis quelque chose
qui n'était pas les autres années, je ne sais pas si vous l'avez remarqué là en vous montrant, c'est que à chaque fois sur toutes les couvertures, ils ont rajouté le logo de la 48 en BD. Ça, sur la couverture, ça n'empêche, moi je trouve que c'est pas super top, hein, parce qu'on le retrouvait déjà derrière, hein, sur les autres aussi, hein, on le voyait derrière, hein, là, 48 en BD, 48 en BD. Donc je trouve que c'est un peu dommage de l'avoir mis sur la couverture, mais je trouve quand même que c'est super et que vraiment pour l'opération, je continuerai chaque année dès que je le retrouve. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, donc on se retrouve très vite pour une petite vidéo, et puis à bientôt!